Eh oui, c'est Prono Matteo, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super bien, moi je tousse un peu, je toussote, parce que je suis peut-être un petit peu malade, comme un petit peu tous les petits jours d'hiver, où je ne fais pas bon de se découvrir. Mais vu que je suis une petite bouillotte, comme dirait ma chérie, je suis une petite bouillotte, et bien tout simplement, et ben voilà, j'ai chaud, je me découvre, et forcément il fait froid, et forcément j'attrape la crève. Donc petit bilan du 2 novembre, décembre, en même temps on va faire un petit bilan de l'année. Voilà, c'est ce que j'ai posté sur le groupe privé Prono Matteo, sur le groupe VIP. Donc, bon, je vais pas revenir sur le mois de novembre, car le but est d'aller de l'avant et d'apprendre de ses propres erreurs, parce que sur le mois de novembre, on a fait moins 503 euros pour 10 euros par pari, où on a fait un doublement de mise, comme sur juillet et septembre, qui sont pas passés, donc forcément, ça a fait mal. Donc, comme je dis, je ne ferai plus de doublement de mise qui ont plombé complètement ces mois-là. Par contre, sur le mois de décembre, nous sommes au positif avec 156 euros de gains pour 10 euros par prono. Moi, je tourne aux alentours de 2300 euros de gains sur le mois avec 150 euros de mise. Alors, bien sûr, j'ai pas rattrapé ce que j'ai perdu en novembre, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un mois en positif, surtout que le mois de décembre est toujours un mois assez compliqué via les paris sportifs. Hein, c'est pas un mois où on se régale en général, même si l'année dernière, on avait très très bien tourné sur ce mois-là. Comme je dis, j'aurais pu éviter quelques bêtes comme le hockey qui ont coûté cher sur certaines journées, malgré une belle cote à plus de 3 qui est passée sur ce sport. Je crois que c'était Salzbourg, il me semble, en Champions League en hockey qui est passé à 3,50. À côté de ça, je laisse de côté le hockey jusqu'à ce que mon taux de réussite s'améliore à blanc sur ce sport. Oui, donc comme je l'ai expliqué plusieurs fois, moi ce que je fais, c'est que je laisse tomber aucun sport. C'est tout simplement, je fais des bêtes à blanc. Et quand je vois que je me suis amélioré vis-à-vis de mes analyses, hein, parce qu'à chaque fois quand je peine réellement sur un sport, j'essaye tout simplement de changer quelque chose vis-à-vis de ma prédiction et de prendre plus de choses en considération, de changer ma méthode d'analyse et voir un peu si ça s'améliore ou pas, surtout sur certains championnats qui sont un peu caractéristiques, qui ont des caractéristiques bien particulières. Et forcément, il y a des championnats où il y a des choses à prendre en compte. Tous les championnats ont leurs spécificités. Et sur chaque championnat, on ne peut pas toujours prendre les mêmes caractéristiques en compte. Donc comme je dis, nous repartons donc sur une nouvelle année avec sûrement moins de stress pour beaucoup d'entre vous, puisque on ne fera pas monter les mises, on restera à 10 euros par prono quoi qu'il arrive. Je pense aussi à vous publier mes ROI par sport, donc effectivement, il faut que je le fasse. Donc voilà, ça sera disponible aussi sur le site. Vous pourrez voir tous mes résultats par sport. Donc le ROI, hein, c'est tout simplement le pourcentage de gains générés. On peut dire entre guillemets le profit. Au niveau des tipsters que je conseille, donc j'ai déjà fait Cash Tennis, j'ai déjà fait une vidéo dessus dernièrement, donc qui fait un 100% sur le mois. Odds Betting qui a un peu plus de mal sur le mois de décembre, mais rien de cata et qui fait une superbe année. French Prono, deux mois grandioses de la part de Guillaume. Donc French Prono, je vais en parler aussi sur une prochaine vidéo, donc qui fait principalement de l'argel, avec un tipster Guillaume en basket qui dégomme tout. Et comme je dis, il y a deux autres tipsters qui arrivent sur le mois de janvier, un en NFL et l'autre sur les over et BTS. Donc BTTS, c'est both team to score, les deux équipes marquent. Donc comme je dis, je souhaite une bonne année à tout le monde, etc. Sur le site, tout simplement, j'ai essayé de le mettre à jour. Bien sûr, j'ai pas encore publié le bilan du mois de novembre et décembre, mais vous avez les résultats, comme je dis toujours, sur la première page. Dès que vous arrivez, vous allez tout en bas. J'ai donné qu'un seul prono public et comme par hasard, c'est pas passé. C'était Seattle Seahawks à 1,54. C'est comme ça, c'est pas passé. Écoutez, c'était du headline NFL et je voyais pas comment ça ne pouvait ne pas passer vu la différence de niveau entre les deux équipes. La cote était légèrement value, l'équipe adverse avait été blessée, donc bref, c'est pas passé. C'est comme ça, ça arrive, c'est les paris sportifs, on peut pas tout passer. Ça sera à refaire, je referai parce que pour moi, il n'y avait aucune raison que ça ne passe pas. Après, c'est toujours pareil, hein. Je suis pas sur le terrain, je suis pas dans les vestiaires, je sais pas ce qui s'est dit, je sais pas si les matchs ont truqué ou non, ça peut arriver. Hein. Je dis pas que c'était spécialement un match truqué, mais bon, le résultat était un peu bizarre. Et là, vous avez le détail par journée, donc vous pouvez voir exactement ce qu'on fait parce que beaucoup d'entre vous me demandent, mais tu laisses combien de pronos par jour? Vous avez juste à regarder ici, les gars, vous regardez, des fois il y en a deux, des fois il y en a trois. Alors là, le mois de décembre était un peu spécifique, hein, parce que bien sûr le 25 décembre et le 31 décembre, vous n'avez pas grand match, donc je préfère rien donner que de donner n'importe quoi. Mais on peut tourner à 8, 3, 4, ça dépend de la carte tout simplement hein, qui est proposée. Je peux pas vous dire je donne exactement 5 pronos par jour, puisque effectivement ça dépend de ce que je trouve, parce que vous voyez là je donne 5 pronos et on fait 10 euros par prono plus 21.
donc plus 21 €, donc ce qui est énorme, hein, puisque j'enlève tout simplement les mises. Donc voilà, effectivement, plus vous avez des paris, plus vous pouvez gagner. Mais je ne veux pas vous donner non plus n'importe quoi. Là, par exemple, on a un prono qui a été donné, qui a été remboursé. Donc fait, effectivement, ça fait zéro, etc., etc. Donc vous voyez quand même que sur le mois de décembre, on n'a pas énormément de jours en négatif. Et on fait plutôt des belles journées à plus 10, plus 13, plus 14, plus 14 encore là. Donc voilà, ce qui permet de faire un petit bénéfice. Donc comme je vous dis toujours, hein, 10 € par prono, c'est une mise d'exemple. Mais ça permet ça peut parler à tout le monde et ça vous permet de faire 156 € sur le mois de décembre et de faire un petit gain supplémentaire. Après, effectivement, sur l'année, on est en positif, donc ça c'est plutôt bien. Je vous rappelle, hein, on n'est que 3% à gagner sur le long terme via les paris sportifs, alors qu'on a certains qui me disent ouais, ça a été difficile sur la fin d'année, attention, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire non, mais les gars, c'est ce qu'il faut voir, c'est l'année, c'est pas forcément. Ok, la fin de mois est pas bonne, je l'avoue, hein, j'ai fait perdre un petit peu d'argent, mais sur l'année, on est toujours en positif et on fait toujours partie des 3% de gagnants. C'est comme tous les investissements, on ne peut pas gagner tout le temps. C'est comme la bourse, quand vous jouez en bourse, quand vous placez des actions, y a des mois où ça va vous faire perdre de l'argent, il y a des mois où ça va vous faire gagner de l'argent. Là, c'est pareil, sauf que voilà, on est 3% à gagner sur le long terme, 3%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on en fait toujours partie, donc si ça reste une année qui reste bonne, qui reste exceptionnelle par rapport à tous les autres parieurs. Après, c'est plus difficile, ça a été plus compliqué que l'année 2017. Moi, j'apprends aussi de mes erreurs. Hein. Je ne dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que je suis le meilleur tipster du monde. Je ne dis pas non plus que c'est facile les paris sportifs. Hein. Je vous le dis dans chaque vidéo que c'est compliqué. Parce que ça serait si facile que ça, on vivrait tous des paris sportifs. Hein. Et ce n'est pas du tout le cas, hein, puisque sur les 3%, qui c'est qui vit réellement des paris sportifs, hein. On doit être 0,5 ou 0,4% qui génère réellement des gros revenus par rapport à ça. Donc voilà, après j'ai aussi eu la réflexion, avec les chiffres que tu as fait sur l'année, bon, en vivre c'est chaud. Oui c'est chaud, mais quand tu es parieur professionnel, tu as une bankroll suffisamment conséquente pour faire en sorte que les mois compliqués, tu puisses tirer un peu d'argent de cette bankroll et pouvoir payer tout ce que tu as à payer. Moi aujourd'hui j'ai assez d'argent de côté pour effectivement me dire, si j'ai un mois difficile, je peux parier, je peux payer ma facture, je peux payer tout ça, mais bien sûr ça se fait pas du jour au lendemain. Moi ça fait plus de 10 ans que je suis dans les paris sportifs, donc effectivement j'ai réussi petit à petit à mettre beaucoup d'argent de côté, mais c'est sûr que tu feras pas un salaire avec zéro argent de côté à la base ou avec 100 € de bankroll, ça faut être clair. Moi je vous ai jamais vendu du rêve par rapport à tout ça. Moi je vois les vidéos que sortent certains et ils vous vendent clairement du rêve, donc non, un parieur professionnel de toute façon a déjà assez d'argent de côté pour pouvoir se permettre des pertes. D'ailleurs vous pouvez voir tous les bilans possibles et vérifiables des types tipster sur BlogBet ou sur ce que vous voulez ou sur BetRush. Vous verrez jamais un tipster qui fait que du positif tout le temps en donnant 2 à 3 pronos par jour. Parce qu'il y a la variance, parce qu'il y a la chance, parce qu'il y a tout ça qui rentre en compte. Et après, les gens qui cherchent l'Eldorado et qui cherchent le mouton à 6 pattes et à 2 têtes, moi j'en veux pas dans le VIP parce qu'ils seront forcément déçus. Parce que je vous promets jamais de gagner sans arrêt tout le temps des sommes faramineuses. Donc voilà. Après, bien sûr, tout sera mis à jour sur les résultats VIP, hein, puisque quand vous allez dans ici, résultats VIP, vous avez tous les bilans. Donc là, je mettrai le bilan que je viens de sortir, donc qui est cette vidéo-là. Et après, quand vous cliquez sur qu'est-ce que ça donne pour 10 € par pari, etc., vous avez le total. Là, par exemple, pour 10 € par pari, vous aurez gagné, si vous aviez fait partie du VIP depuis le début, 6 000 €. Donc après, je répète, hein, 10 € par pari, c'est une somme ridicule. Hein, les bookmakers, quand vous mettez 10 € par pari, ils sont morts de rire. Hein, ça les fait pas peur. C'est une somme qui est tellement faible qu'effectivement, on peut pas tirer des gains faramineux. Par contre, si je prends 50 € par pari, ça devient de suite plus sympa puisque vous serez déjà à 30 000 €. Donc 30 000 € de gains, si vous aviez déjà fait partie du VIP, imaginez 30 € de gains déjà sur votre, en plus sur votre compte en banque. Bon, je pense que votre vie déjà s'améliore déjà beaucoup plus.
Donc 30 000 euros de gains pour un investissement de départ. Quand on va sur accès VIP, on va dire 2 ans plus 6 mois, donc la formule à 240 euros. Donc vous voyez, l'investissement est très très faible par rapport à ce que ça va vous rapporter. 240 euros pour 30 000 euros de gains, bon, ça reste un investissement qui est très 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 fiable. Mais après, combien d'entre vous continuent les pronos quand on a un mois en négatif? Bah malheureusement très très peu. Donc parce qu'ils disent ouais, on est en négatif, c'est chaud, j'ai perdu de l'argent, je sais pas si je vais continuer, du coup je vais suivre un tel, gna gna gna, et puis au final vous y perdez complètement puisque vous suivez plus ou moins personne, puisque toujours quelqu'un aura un mois en négatif à un moment donné et vous allez accumuler les mois en négatif en suivant un tel, un tel, un tel, et au final vous suivrez pas les mois qui suivent qui sont en positif, donc vous allez rattraper que dalle. Donc ce n'est pas la solution si vous vous engagez avec quelqu'un sur le long terme. Bah, tout simplement, faut le suivre sur le long terme quoi qu'il arrive, parce que je le dis hein, moi-même, enfin moi c'est pas le VIP qui me fait vivre hein. C'est clairement mes pronos, c'est ce que je tire, l'argent que je tire via les bookmakers, parce que comme je dis toujours hein, l'argent que j'ai des bookmakers, c'est de l'argent qui n'est pas imposable. L'argent du VIP, bah, ça me permet de payer le site, l'application, et j'en donne la moitié à l'État, donc au final ça me rapporte peanuts par rapport au temps que j'y passe. Mais par contre, bah voilà, les 2300 euros que j'ai fait sur le mois de décembre, bah c'est plein pot quoi. Donc forcément, la donne n'est pas du tout la même. Donc voilà, c'était les résultats sur le mois de novembre-décembre. Vous aurez le récapitulatif sur le site. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, toujours les cadeaux qui sont là. Livret conseil gratuit, donc qui sont mes 50 meilleurs conseils de pronostiqueur professionnel. Vous avez juste à rentrer votre adresse email et le logiciel qui est gratuit. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo qui est dessus, qui va vous permettre de savoir ce que c'est exactement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pronomatéo. Bye.